Hey, t'es pas avec Michel? Ben non, il est pas avec moi. Mais on se rejoint à la cafétéria pour dîner. Sophie, faut que tu me rendes le service. Oh, Raphaël, j'ai essayé de lui parler 100 fois. Je veux rien savoir de vous autres. Je peux pas rien faire. Non, non, c'est pas ça, là. Ce que je veux, c'est que tu m'amènes Michel au spot aux alentours de 6 heures. Le reste, je m'en occupe. Ouais. Mais là, s'il se rend compte que j'ai joué dans le dos, là, c'est après moi qui va être en maudit. Moi puis les autres, on a décidé de ramener Michel dans la gang. Hey, même s'il faut que je rampe à terre. J'ai un plan, ça peut quasiment pas rater. Tu veux m'aider ou tu veux pas m'aider, là? Ça peut quasiment pas rater. On va être tellement cute qu'il pourra même pas nous résister. Puis si ça foire, là, ça sera entièrement de ma faute. Mm-hmm. Mais si ça marche... Ça sera grâce à toi, Sophie. Mmh, c'est vrai que vu de même, il est pas de ton plan. Fait que ça marche. Ah ben! Salut, Michel. Ça va? C'est le fun de t'entendre parler, mon coup. Salut, là. Hey, c'est quoi son problème, Annie? What's his name? Premièrement, je n'ai pas accusé Mme Lorrain de vol. Je lui ai simplement demandé si, par hasard, elle n'aurait pas vu ma montre. C'est pas la même chose. Louis-Philippe Caron d'Amour. J'estime que ta petite comédie a assez duré. Après tout, c'est une montre de 10 000 $ qui a disparu. Ça m'autorise tout de même à poser certaines questions. Louis-Philippe! Là, tu deviens franchement impoli, hein? Bon. Autant que tu sois prévenu, je ne sortirai pas de cette pièce tant que tu n'auras pas mis un terme à ta petite guerre du silence. Veux-tu que je te fasse un solo? Ah ouais donc? Oh oui! Hey, t'as presque autant de talent qu'une machine à coudre, hein? Puis je dis pas ça contre les machines à coudre. Ah oh, hey, toi là! Hey, j'ai pas un drame, là, moi. Sophie, faudrait que je te parle. Moi, j'ai rien à te dire. Sophie, niaise-moi pas, là. Elle vient de te dire qu'elle veut pas te parler. C'est correct, Michel. Je vais lui parler. Tu peux y aller. Ah ouais, fais de l'air. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas été correcte avec moi, Sophie. Tu m'as même pas laissé le temps de m'expliquer. Oh, attends! Laisse-moi deviner. C'est pas ta faute si je t'ai pognée en train de croiser Sandra Poulin. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Oh, pauvre bébé! On se jette tous sur toi. Oh, y en a pas une qui peut te résister. Sandra est en train de me dire qu'il y avait quelque chose entre toi et Michel. Hey! Combien de fois va falloir je que je... Je l'ai pas cru. Elle s'est jetée sur moi juste pour t'écœurer parce que la dernière fois, tu l'as revirée de bord quand elle était chez Couillard pour parler à Michel. Qu'elle lui sac donc patience aussi. Elle lui en a bien assez faite. Tu vois pas, Sophie, que c'est plutôt moi qui ai des raisons d'être jaloux? Je dis, tu passes ton temps à le couver, Michel Couillard. Tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi. Ben, il est dans une période difficile. Je veux juste l'aider à la traverser. Voyons donc, t'es bien naïve. Tu te rends pas compte qu'il se sert de toi comme bouche-trou parce qu'il y a pas un chat à l'école qui est capable de dealer avec son caractère de cochon. Franchement, Domingo! Mets-toi un peu à sa place. J'ai pas besoin de me mettre à sa place, Gogone, OK? T'es là à temps plein. Il y a le beau jeu, le manqué, là. Écoute, il y a sa psychologue à domicile. Ça, c'est parce que je suis encore assez épais pour penser que t'es rien que sa psy. Hey, là, tu vas trop loin, Domingo. T'oublies que toi, là, t'es pas comme moi. L'honnêteté, ça veut dire quelque chose pour moi. Hey, je t'ai jamais trompé. Je vais te dire juste un mot. Eliana. Essaye pas de me rappeler. Je serai pas là. Dedans, le petit copain. Ça aussi, dedans. Bonjour, Madame Lorrain. Bonjour, Lou. Non, Émilie est déjà partie travailler. OK. Pouvez-vous lui dire que je suis passée? Oui, que j'aille dire. C'est parce que je peux pas laisser la petite, là, dans la cuisine. Ah oui, je comprends. Vous savez, j'ai rien à voir dans tout ça. Mais oui, je le sais, mon grand.
Rentre donc. Hein? Merci. Parce que là, la petite, je veux la surveiller. Là. Je veux pas qu'elle me change la cuisine en chantier de construction. Je suis tellement mal à l'aise de tout ce qui s'est passé. Salut. Qu'est-ce que tu fais de bon, toi? Tiens, assieds-toi donc. Hein? Est-ce que vous avez parlé à Émilie? Oui, puis non. Je la connais assez, là, pour savoir que c'est mieux d'attendre que la pression baisse un peu avant d'y parler. Mmh. Oui, je comprends. Mmh. Mais d'un autre côté, ça m'écœure. J'ai tellement rien à voir là-dedans. Ben, oui. Je peux pas croire que ma mère... elle vous ait dit ça. En tout cas, il faut que je parle à Émilie. Je veux qu'elle sache que moi puis ma mère, c'est deux personnes différentes. Bon. Elle sait. Elle a probablement pas le goût de l'entendre aujourd'hui. Mmh. Mais elle sait. Tu avais pensé aller la voir au resto tantôt? Mmh. Attends un peu, hein? Laisse-y du temps. Tu fais de la musique, toi? Tiens, Michel Couillard. Il laisse vraiment entrer n'importe qui dans cette école-là, hein? Ton chien de garde, il est pas avec toi, hein? On va pouvoir se parler. Sophie, c'est ma chum. J'aimerais ça que tu l'appelles par son nom. Ça a l'air que ta chum s'est mis dans la tête que c'est moi qui t'ai mis la police sur le dos. Ah oui? Ouais. Ben, j'ai pas besoin de Sophie pour savoir qui me joue dans le dos puis qui joue straight avec moi, OK? Je trouve ça bien plate, là, ce qui est arrivé. Ah ouais? Mmh. Ben, mets-toi en ligne, parce que t'es pas tout seul à trouver ça plate. Mais ça, ça changera rien au prix des bananes. Hein? Écoute, j'ai le dos bien large puis je suis capable d'en prendre, mais j'en prendrai pas plus que ce qui est à moi. J'ai juste dit que t'étais bizarre, là, avec la mort de Yann, hein. C'était quand même des petits tweets, pensaient que ça valait la peine d'appeler la police pour ça, là. Je m'excuse, mais c'est pas de ma faute. Ben, si c'est ça ta façon de t'excuser, là, t'as besoin de pratique, Sandra Poulin. Je sais ce que t'as dit, puis je connais tes petites gangs, là, fait que dégage, tu sais. Non, je sais que c'est la Sophie, là, que t'as montée contre moi. Hey, y a pas d'autre école dans le bout où tu peux aller écœurer le monde, là. Laisse donc Sophie en dehors de ça, c'est la dernière fois que je te le dis. God, dancier, Kyo, tu tripes sa petite fille de riche, hein? C'est pratique, hein? Même pas besoin de sortir chez vous pour avoir ton anane. T'as dit qu'il est rendu loin, hein? Le rocker qui voulait rien savoir. C'est ton accident qui t'a rendu mou. T'es mieux de surveiller ta grande trappe, toi. Parce que si j'entends des affaires sur Sophie pis moi, là, je vais savoir d'où ça vient. Que tu me prends, Michel? Je suis certain que tu veux pas le savoir. Salut, Doc. Hé, as-tu réussi à calmer ta blonde? Non, pas vraiment. Oh, anyway, tu perds ton temps. Mais t'occupe ailleurs, ta blonde. Gars, je vais m'arranger avec mes affaires, OK? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais je m'ennuyais de toi, mon beau Gino. Gars. Je prends une chance. J'ai pas même le cœur à ça, OK? On m'a toujours dit que t'étais pas un gars refusé une belle occasion quand on se présentait. Ta réputation est surfaite. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Hey, Sophie, c'est quoi toutes ces cochonneries-là? Là? Ben, je pense que c'est pour toi. Pour moi. Einstein, Pierre-Luc Turcotte et Raphaël Thermidor reconnaissent publiquement être des épais de première catégorie. Hmm? Tu vois, je suis pas le seul qui le dit. Et déclarent être prêts à subir publiquement toute punition que Michel Couillard jugera appropriée pour réparer leur tort à son endroit. Hey. Ah! Oh, come on! Tu me diras pas qu'ils trouvent pas ça un peu drôle, quand même? Oh oui, c'est bien, bien comique. Hey! Tu pourrais les faire danser en tutu rose dans la cafétéria pour te venger. Il y en a mis partout jusqu'au resto. Oh, Michel! Salut tout le monde! Quoi de neuf? Hey, c'est-tu effrayant couper des arbres pour écrire des affaires de même, hein? Ceci est un message officiel de Pierre-Luc Einstein.
Einstein et Raphaël. On déclare publiquement qu'on a agi comme des innocents qui méritent pas en tout d'avoir un chum au bout comme Michel Couillard faire oublier nos torts. On est décidé à faire des quelle volonté. Nettoyer ton corps à la brosse à dents ou laver tes bras pendant 7 ans. N'importe quoi, et puis pas ton affaire, nomme les pis. On va le faire pour te faire oublier à quel point on agit comme des crétins. Je te dis que le rap de nos jours, c'est vraiment rendu n'importe quoi, hein? Oh. Je te rejoins dans 2 minutes. Hé, hey, vous êtes complètement flyés. Ben, gay. Mais qu'est-ce que vous allez vous faire, là, s'ils vous demandent de vous peindre en rouge puis de courir tout nu dans la rue? Ben, on va le faire. Mais là, tu vas-tu être capable de me l'amener au spot, là, ce soir? Ouais, ça devrait. Bye. Salut. Ouais, il dit oui. Si tu sors pas un peu, là, tu vas devenir moron. C'est prouvé scientifiquement. Bon, OK. Hey, cool! On y va? Mais Sophie, quelque chose fallait que je te dise. Je pense que tu seras pas bien contente. C'est pas vraiment de mes affaires, mais bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tantôt, j'étais à la cafétéria, puis j'ai vu Domingo puis Sandra qui s'embrassaient. Es-tu correct? J'imagine que ça devrait pas me surprendre. C'est grave de tromper Liana avec moi. Je peux même tromper avec Sandra. Préfères-tu rester toute seule? Pas en tout. J'ai juste un petit téléphone à faire. Veux-tu faire le tri des CD qu'on amène? Je m'occupe de ça. Domingo, je veux te parler. Viens me rejoindre au resto, maintenant. Je te rejoins au spot! Étais-tu passé? J'admettrai pas que tu me traites de manière aussi cavalière. Je suis ta mère, après tout. Tu me dois un minimum de respect. Tu vas être contente. Emilia veut plus me parler. J'ai seulement posé une question. Si elle et sa mère ont décidé de s'en formaliser, c'est leur problème. C'est vrai que Mme Lorrain est susceptible. Après tout, tu l'as rien que traité de voleuse. Écoute, j'ai peut-être pas été des plus habiles, là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce qui est fait, est fait. Ce que tu pourrais faire. Attends que j'y pense un peu. Ah, tiens, t'excuser peut-être, hein? Oh, ça, c'est hors de question. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. C'est bien plus facile d'accuser directement la femme de ménage. Je te permettrai pas de me parler sur ce ton. Tant et aussi longtemps que tu vivras sous mon toit, tu vas t'adresser à moi avec respect. Bon, on va régler cette question-là tout de suite, d'abord. Je ne vis plus sous ton toit. Louis-Philippe! Louis-Philippe! Reviens ici immédiatement! Ouais. Mais je sais que c'est pas de mes affaires, là, mais... Mais elle l'a déjà fait à moi. Puis je suis sûre qu'elle gênera pas pour te le faire à toi, hein. Mmh. Sandra fait du rentre-dedans à Domingo. Mmh? Tu savais? Non. Bon, ben, Domingo, il arrive. Je vais aller chercher ta commande. Ah, moi aussi, toi. Non, je suis content que tu m'aies appelé. As-tu embrassé Sandra Poulin aujourd'hui à la cafétéria? Oh, c'est qui la grande gueule encore? Ah, donc c'est vous. C'est tout ce que je veux savoir. Merci beaucoup. Merci. Je te gâche que c'est Michel Couillard qui s'est ouvert à la trappe, là. Qu'est-ce que ça change que ce soit lui ou un autre? Sophie, tu te rends pas compte? Il essaie de mettre la chicane entre nous deux parce qu'il a le goût de coucher avec toi. Hey, il n'y a pas besoin de me manipuler pour coucher avec moi. Je le ferai sans ça. C'est fini. Oh, un instant, parce que moi, j'ai pas fini. Moi, j'ai fini. Excuse-moi, mais on attend. Tu vas payer pour ça, mon couillard. Que tu vas payer pour ça? Non, je te dis, je me sens presque soulagée. Ça faisait longtemps que je savais que ça avait pas d'allure, lui puis moi. Ouais. Attends-tu quelqu'un? Pourquoi tu regardes l'heure comme ça? Moi? Mais je regardais pas l'heure. Mais oui, t'arrêtes pas de regarder ta montre, là. C'est quoi l'affaire, du mollet? Ben non. Hein? Oui, il y a quelque chose dans le sud de ça, certain, là. Ah oui, certain, je veux que tu me dises, c'est quoi qui arrive? Je sais pas!
Tu sais pas c'est quoi qui arrive. Oh, ben, gadon. Oh. Ta maman a fait dire de pas rentrer trop tard, Michel. Hein? Elle s'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, ça fait quoi, là? Trois quarts d'heure que ma blonde m'a sacré là, pis t'es déjà embarqué dessus? Hey, Domingo, là, commence pas. Il se passe rien, Sophie pis moi. Sais-tu qu'il reste encore juste vous deux pour croire encore une affaire de même? Bon. Fais pas ton macho, là. On peut se parler calmement. Sophie m'a parlé tantôt, toi, OK? Pour l'instant, c'est à lui que j'ai affaire. Si tu veux parler, on va parler. Non, on veut parler. Là, si tu veux te battre, par exemple, tu vas te battre tout seul. Moi, je suis pas intéressé. Non, non, je sais que c'est que t'intéresse, toi, hein? Faut qu'il va falloir que tu te battes pour, par exemple. Hey, là, ça va faire le niaisage, là. À part de ça, je sais pas où c'est que t'étais chercher ça, que je voulais ta blonde, là, mais... Comment? T'as pas dit ce que tu m'as dit tantôt? Hey, dis-y que tu veux coucher avec, là, comme ça, ça va être réglé une bonne fois pour toutes. Bon, écoute, arrête tes conneries, là. Les conneries? Comment des conneries? Oh, oh, oh. Hey, hey, hey! Pense à ton affaire, Domingo. Parce que si tu veux te battre avec Michel, là, va falloir que tu passes par moi aussi. C'est les deux ou c'est rien. Y a personne qui touche à un de mes chums. Tu comprends tout ça? Je comprends bien quand c'est pas Sophie qui te défend, c'est un de tes chums. On va se reparler, man. Ben, je vais aller chez nous. Non, et on y va, là. Merci, Raphaël. Non, de rien. En tout cas, t'écouteras ça. Quand ça la donnera, là. Quand t'auras une chance. Y a rien qui presse. Ça vient de nous autres. La gang. OK. C'est cool. Sophie, tu es prête? Oui, oui. On va y aller, nous autres. Je peux pas rester ici bien longtemps. Je comprends ça. Merci encore. Rien. Qu'est-ce que tu fais que ça? Ah, mission spéciale. Ah. OK, salut. Salut. Bye. T'as-tu mis ton rouge à lèvres tout seul, ma petite Pina? Il me reste juste deux, trois petites affaires à faire, puis j'ai fini. Ah, c'est beau, j'ai le temps. Mon rendez-vous avec Léna qui est juste à 7 heures. Ben voyons, comment ça, tu vas chez le médecin? Oh. Juste un examen de routine, là, rien d'important. Oh, hé, Émilie. Émilie. Faut que je te dise quelque chose, là. Quoi? Lou est venue à la maison tantôt. Puis? Ouais, faisait bien pitié. Ouais, mais moi, avec, si j'avais une mère comme la sienne, je ferais bien pitié. Mais... Prends ton temps, là, mais quand tu pourras, appelle les dons, hein? Oui, appelle-les. En attendant, j'ai dit de pas hésiter. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Ben, rien. Il a pas hésité. Bon, mais tant mieux, dans le fond. Hein. Moi, je suis en train de penser que les tout croches devraient rester avec les tout croches, puis les riches avec les riches, tu sais. Bon! Mais maman, elle a presque fini ma petite pinotte. On va aller faire une petite épicerie. Tu vas faire un petit tour de panier. Brum, 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 brum. Oui, donc, brum, brum. Fais-toi-en pas trop, Sophie. Il veut donner son show. Je suis certain qu'il va arrêter de t'achaler. Maudit malade. Non, mais il se pense au Moyen-Âge, lui? Non, mais fais-toi-en pas avec ça. Il peut pas mordre, il jappe trop. S'il veut mordre, il va falloir qu'il se ferme la trappe. Il me donne un méchant mal de tête avec ses niaiseries. Bon. Je vais t'arranger ça, mais... ça fait du bien. Comme ça, t'as dit à Domingo que tu voulais coucher avec moi? Hey! J'ai dit ça pour qu'il me sente patience! Non, moi, je rapporte ce que j'ai entendu, c'est tout! C'est ta mère qui vient d'arriver? Non, elle est dans sa chambre. T'es-tu correct pour le mal de tête? Ah, oui, oui, ça va passer, merci. Lou! Salut. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta mère qui t'a envoyé fouiller chez nous? Non. Veux-tu que je t'aide? Ouais, donc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, depuis qu'on se connaît,
Tu m'as donné le rôle du fils de riche qui juge tout le monde d'après les classes sociales. Moi aussi. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui me juges d'après ma classe à moi. Tu penses que parce que ma mère pense d'une certaine façon, je suis obligé de penser comme elle. C'est un jugement de classe. Puis c'est pas ça? Je suis assez grand pour penser par moi-même. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ta valise? Ah, je me suis jeté en dehors de chez nous. Ah, comme un grand garçon. Oui, t'aurais été fier de moi. Puis t'as l'intention d'aller rester où, comme ça, là? Ben, si c'est pas ici, je vais être obligé d'aller me louer la suite royale de Ritz. Hein, tu sais comment on est, nous, les riches. Ah, ben ouais. Bon, ben tiens, pratique-toi donc tout de suite, puis va donc changer la petite de couche, hein? Moi, faut que je prépare le souper. Changer la couche? Mm-hmm. Oui. Oui. Oui, allô? Ouais, mais c'est parce qu'ils sont où, les couches? Lou, ici? C'est parce que je veux bien faire la job, si tu m'en pousses. Ta mère. Je suis pas là. Oui, excusez-moi, non. Ben non, malheureusement, il est pas ici, il y a Madame Coron d'Amour. Oui.